Tous les blancs, terre de la sable, tout en rosé. Et puis après, le reste des rouges, il y a pas mal aussi. Donc, des assemblages. Il y a des assemblages. Il y a quelques produits. Il y a des produits bruts. L'idée, c'est de valider aussi les vignes qui étaient dans les dédiés. Mais je pense que dans l'esprit, ça doit être fait parce que dans le code de 2015, je pense, Jean-Michel nous en parlera, mais je pense que dans l'esprit, elle est conforme à ce qu'on attendait. Et puis, il y a pas mal d'échantillons à déguster. Donc, ça ira du blanc jusqu'au rouge, les rouges ou les blancs après. Donc, on peut commencer. Sachant que la récolte 2015 est quand même une récolte au niveau des rouges qui est assez exceptionnelle, au niveau qualité, chose qu'on n'avait pas vu depuis. Depuis deux ans. Voilà. Deux ans. 10 et 13. 13. On a rarement de mauvaises récoltes. Ouais. Et puis, non, on a rarement des mauvaises récoltes à part 2014 qui était au niveau de la mais légère, mais on a une belle récolte, et en qualité, et aussi en rendement, parce que le rendement, nous sommes tout à fait corrects pour la récolte au niveau globalement. Allez, c'est bon. Allez, prenez le verre. Allez, moi je fais le blanc, j'ai rosé. Non, je vais faire le blanc.